L'acteur de Plus belle la vie a accordé une interview à TV Grande Chaîne. Et Stéphane Hénon en a profité pour dévoiler une information de taille, le prénom de son troisième enfant, aujourd'hui âgé de 5 ans. Samedi 24 juillet 2021, Classe égale à HRL Plus belle la vie s'invite sur France 2. Léa François, Barbara Evenot dans la série, et Stéphane Hénon, Jean-Paul Boé, participent à Fort Boyard aux côtés d'April Bonneillot-Homme. De l'humoriste Monsieur Poulpe et des acteurs Maurice Barthelmy et Julien Arruti. Interrogé sur le sujet par TV Grande Chaîne, le compagnon de Sacha Tarantovitch a fait une grosse révélation sur sa vie personnelle. Stéphane Hénon est un homme plutôt discret concernant sa vie privée. Le public savait qu'il était l'heureux papa d'une fille prénommée Tina, 21 ans. Née d'une précédente relation, qui se fait appeler Kina Hénon. Et avec son ancienne épouse Isabelle. Il a eu deux fils, Milo, né en avril 2012, et un second, né en juillet 2016, dont on ignorait toujours le prénom. Mais lors de son entretien avec le magazine, l'acteur l'a dévoilé au moment d'évoquer ce que représentait Fort Boyard pour lui. « Cette émission, c'est toute mon enfance. Je l'ai également beaucoup regardé avec mes propres enfants. » C'est d'ailleurs pour Milo, Kina et Marceau que j'ai accepté de la faire. J'étais très excitée d'y participer. Car ça va les faire marrer de voir leur père faire l'idiot dans Fort Boyard, a-t-il déclaré. Stéphane Hénon ne regrette pas de s'être lancé dans cette folle aventure avec Léa François notamment. D'autant plus qu'il n'a pas le vertige ou n'a pas peur des serpents. Contrairement à ses collègues. Qui a peur des insectes? Du vide et de l'eau, il n'était donc pas un très bon client. Mais il était un soutien sans faille pour la maman de Louison, 1 an et demi. On s'est donné à fond parce qu'il fallait ramener de l'argent pour l'association, PEWAC. Pour la protection des grands singes, note de la rédaction. C'était une super expérience. Je me suis éclatée, a-t-il conclu. Nul doute que sa jolie petite famille sera devant France 2 pour le soutenir samedi prochain. Ainsi que sa compagne Sacha Tarantovitch. Leur relation a été officialisée fin juin. Depuis, il n'hésite pas à se dévoiler sur les réseaux sociaux. L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine TV Grande Chaîne du 19 juillet 2021.